mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est mot de passe, on s'installe, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, ouais. Bon, je suis venu avec mes fiches, je voulais faire animateur de jeu, alors donc je suis venu avec mes fiches, j'ai, on va les accueillir, j'ai, alors comment il fait, Agathe et José, Agathe et José. Moi, je ne vais pas travailler avec des fiches, on va se parler comme ça, normalement. Comment ça va, Agathe? Ça va. C'est pas marqué, hein. Tout ce que je dis, là, n'est pas marqué. Hein. Je l'invente, voilà. C'est spontané. Ça va, on n'a pas... Voilà, je le fais sans prompteur, sans fiche, attention. Où est-ce que vous habitez? J'habite en Corrèze, à Ayen. Alors, attention, Agathe, regardez-moi bien. Vous, vous êtes musicienne. Oui. Attendez, attendez, attendez. Vous, vous jouez du... saxo. Voilà. Comment je le sais? Magie. Bon, comment ça va la vie? Ça va bien la vie? Oui, ça va. Ça tout va. Va bien? Ça va. Décontractez-vous. On est... Attendez, c'est... Oui. Ce n'est que de la télé. Il y a que 3 millions de personnes qui regardent. Décontractez-vous. Comment ça va, José? Ça va bien, merci. Bon, et vous, alors, parlez-moi de vous un petit peu. Alors, pour ma part, je viens d'Aix-en-Provence, donc dans le sud. Ouais. J'ai 31 ans. Ouais. Célibataire. Ouais. J'en profite pour le caser. Bien. Et alors, comment alors, ça quoi. Se fait? Bah écoutez, on va dire vous n'avez que pas encore trouvé, à 31 ans, en habitant Aix-en-Provence, une ville qui fait rêver, vous n'avez pas trouvé une femme pour vous accompagner? Je suis pas spécialement pressé, hein. Ah, d'accord. Plus. D'accord. Bah, 31 ans, faut y penser quand même maintenant, parce qu'après, il y a les enfants, tout ça. Et il faut penser à la retraite. On va accueillir Monsieur Garnier, Monsieur Santou. Voilà. Voilà Garnier et Santou voilà. Qui sont déjà venus dans l'émission que vous connaissez parce que vous les avez vus, bien sûr, dans l'émission de Laurent Ruquier. Et qu'en ce moment, eh bien, ils cartonnent là où ils vont. Ce sont des humoristes. Mais là, ils se prennent un petit peu au sérieux, évidemment, pour vous faire gagner. Car... au terme de ces épreuves de qualification, il y aura, vous le savez, une somme importante à gagner, 50 000 euros. Allez, moi, j'ai fait mon boulot. Je suis tranquille pendant 40 minutes. Je prends votre place, téléspectateur, tranquille, à vous de jouer. 30 secondes, allez. Un point par mot, et de temps en temps, j'interviendrai, mais comme ça, mais le minimum. Ce soir, j'ai décidé de faire le minimum. Toc. Supermarché. Magasin. Chariot. Caddie. Cro-Magnon. Homme. Maison. Grotte. Je passe. Rangée. Désordonné. Intercalaire. Classeur. Verbe. Classé. Follin. Sébastien. C'est bien. La détente. À vous de jouer, 4 points. Respiration. Expiration. Organe. Poumon. Plat. Cuisiné. Accompagnement. Garniture. Liquide. Vin. Assiette. Sauce. Sport. Tennis. Piscine. Natation. Verbe. Nager. Présent. Nage. Il est passé. C'est un peu compliqué la vie, je pense, sur celui-là. Pas mal. À vous de jouer. Ah, pas grave, on l'a perdu. Ouais. Agrumes. Fruits. Jaune. Citron. Orange. Pomelo. Presque. Passe.
Charrette. Brouette. Oui. Chanteur. Hallyday. Marc. Lavoine. Oui. Brun. Pardon. Pamplemousse. 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 Bien sûr. Ouais. C'est 2 points de plus. Alors, à vous de jouer. Vous ennuyez pas, ça va? Ça va? Allez, José, je suis avec toi. Passe. Passe. Roi. Reine. Excalibur. Arthur. Remonter. Descendre. Braguette. Zip. Descendre. Ouvrir. Passe. Grenier. Cave. C'était quoi la braguette? Baisser. Baisser. 2 points de plus avec Arthur et Cave. On va reprendre la situation parce que sinon ça va pas aller là. Donc baisser, 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 c'est pour la braguette? Oui, la braguette. Voilà, d'accord, ok. Tant que j'intervienne. Vous avez passé la gastronomie et vous avez passé de vin. Alors pour l'instant, hein, vous avez 5 points et vous avez, Agathe, 6 points. Changement de partenaire. Garnier va jouer avec José et Santi va jouer avec Agathe. Nous sommes maintenant à 4 manches de sélection de chacun pour la finale aux 50 000 euros. Alors attention, ça devient sérieux, il faut se concentrer. On est prêt? Absolument. À toi! Paraphe. Signature. Main. Doigt. Jambes. Pied. Je passe. Majorité. Minorité. Lourd. Léger. Crétin. Passe. Passe. Ah, vache. Donner. Rendre. Héritage. Héritier. Hérité. Légué. Mais oui, mais légué est arrivé après. Oui, oui, oui. On a vu que tu as vu léger. J'ai dit léger. Signature, pied, minorité, ça fait 3 points supplémentaires. Désolé. Ça fait 9. Ça y est, on est dans la partie. Vous avez décidé de m'exciter, de me prendre au jeu. Enfin, c'est une émission passionnante. Eh bien, mesdames et messieurs, voici Garnier qui va jouer tout de suite avec José. 30 secondes, 1 point par mot. Ça peut faire 5 points, ça peut faire 5 mots. On y va. On y va. Est-ce que j'ai un truc qui me vient, mais est-ce que ça se tente? On ne sait pas. Ah, j'hésite à le faire. Allez. Obélix. Astérix. Substantif. Astre. Réel. Imaginaire. Étoile. Astéroïde. Je passe. Je passe. Verbalement. Oralement. Gratin. Dauphinois. Double. Multiple. Un. Simple. Bien joué, ça fait 3 points supplémentaires avec oralement, dauphinois et simple, ça fait 8. Le premier, c'était astérisque. Voilà, on aurait dû appeler Jamel. J'ai voulu tenter. Non, mais avec Jamel, ça aurait marché. Jamel Debbouze, ouais. Il l'aurait bien fait. Alors, c'est vous qui allez jouer les 30 dernières secondes de jeu, d'accord? On est totalement d'accord? On est d'accord? Parfaitement d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. On est d'accord? On est d'accord. À vous de jouer. Sauter. Passer. Mer. Plonger. Passe. Parier. Tenter. Casino. Jouer. Argent.
Miser. Lourdement. Légèrement. Bien joué. Bien assisté, mais bien joué. Absolument, José. Ça fait 3 points supplémentaires, ça fait 11. Il vous reste une manche à jouer, ma chère Agathe. Donc, il faut au moins marquer 2 points si vous voulez le jeu décisif et 3 pour aller en finale. C'est vous qui faites deviner donc en 30 secondes les mots à Santou. C'est parti. Alors, nettoyeur. Laveur. Oreille. Coton-tige. Répète. Coton-tige. Non. Tige. Coton. Autre mot. Passe. Souvent. Ah, passe. Toujours. Rarement. Jamais. Presque, passe. Ah. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est beaucoup pagiqué là. Ah, c'est pas pareil qu'à la maison, hein? Ah non. Le premier, ah, là, coup, le, premier le premier, c'était tige. Tige. Et, vous l'avez dit d'ailleurs, à un moment donné, on l'a bipé. Ouais. Alors donc, nettoyeur, oreille, évidemment, mais faut dire soit coton, soit tige. Mais oui, pas, oui, c'était un mot composé. Voilà, voilà, ouais, donc, aussi, on vous applaudit quand même, Agathe. Désolé. Merci d'avoir joué avec nous. On déclare évidemment notre ami José d'Aix-en-Provence le finaliste. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous et gagner la somme de 2 500 €. Il vous suffit de trouver le bon mot. Voici les indices: danse, Vienne et Strauss. Alors, d'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce 1, valse ou 2, techno? Je vous répète les indices: danse, Vienne et Strauss. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7-10-20 ou téléphonez au 32-43. Un tirage au sort, bien sûr, sera effectué parmi les bonnes réponses. Et si c'est votre nom qui est tiré au sort, il apparaîtra en bas de l'écran. Agathe, ne nous en voulez pas, hein? Non, inquiétez pas. Peut-être à moi qu'elle en veut, je ne sais pas. Non, il ne faut pas en vouloir à Santou, Garnier, car c'est toi qui vas faire la finale avec José. Donc, finale et 50 000 euros en jeu, 31 ans et peut-être 31 ans plus 50 000 euros. C'est pas mal. Donc toujours 31 ans, hein, ça n'a pas changé depuis quelques secondes. Toujours d'Aix-en-Provence. Il s'appelle José. Vous êtes face à Garnier, du duo Garnier-Santou, que l'on trouve en ce moment à Paris, dans un beau théâtre, avec une pièce mise en scène par Arthur Junio qui s'appelle La Valse des requins. Eh bien, vous allez pouvoir maintenant, vous, faire la valse des euros. On va regarder, mon cher José, la pyramide des gains. 1000 euros si vous faites prononcer à notre ami Garnier 5 mots sur 9. C'est toujours vous, hein, qui faites deviner, hein, toujours en finale. 2500 euros, c'est 5 mots sur 8. Vous le savez, puisque vous connaissez l'émission, si on arrive à 2500, même si vous chutez après, les 2500 seront à vous, quoi qu'il arrive. 5000 euros, c'est 5 mots sur 7. 10 000 euros, 5 mots sur 6. Et 50 000 euros, 5 mots sur... La finale, c'est toujours un peu stressant. Alors, il faut à la fois se déstresser, se décontracter, mais rester concentré. C'est là la difficulté. 3 indices pour faire deviner un mot, pas un de plus. Quand vous passez un mot en finale, le mot ne revient plus, contrairement aux épreuves de qualification. Et vous avez 1 minute et 30 secondes. Quelque chose à déclarer avant de vous lancer dans l'arène? Non, rien à déclarer pour l'instant. Rien à déclarer. Fouillez-le, on va voir. Allez, attention, ne perdez pas de vue Garnier. C'est important car vous ne pouvez pas faire de mime, mais vous pouvez interpréter les mots. C'est extrêmement important que votre partenaire, qui ne sait absolument rien, soit le plus rapidement sur la bonne voie. Donc c'est vraiment l'entonnoir. On est d'accord? 1000 euros, 5 mots sur 9, bonne chance. Bouilli. Purée. Légumes. Carottes. Macédoine. Euh...
Passe. Char. Charrette. Assaut. Tank. Passe. Robe. Pantalon. Danseuse. Tutu. Italien. Eros Ramazzotti. Gondole. Je le sais pas. Carnaval. Venise. Ralentir. Accélérer. Protestantisme. Christianisme. Jésus. Chrétien. Église. Temple. Sahara. Désert. Huitième. Neuvième. Putain, excuse-moi. Oh là là. Tank, tutu, accéléré, désert, 9e, il restait une seconde. 1000 euros. Vous pouvez partir avec ou les remettre en jeu. Non, non, je les remets en jeu. D'accord. €2500 dans la concentration et néanmoins dans la bonne humeur. On y va. Os. Taper. Frapper. Météo. Nuage. Temps. Pluie. Tropicale. Tornade. Vache. Taureau. Liquide. Lait. Acteur. Chanteur. Fabrice. Lucchini. Extériorisation. Intériorisation. Sommet. Propose. Montagne. Col. Vosges. Jura. Hivernal. Automnal. Autre. Printanier. Autre. Comment on dit? Ah, c'est horrible. Passe. Non, 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 vous ne pouvez plus passer. Il faut le trouver, vous avez 6 secondes. Bien sûr, estival. Pardon, je suis désolé. Non, c'est pas grave. J'ai dit alors tous là, les autres parce que celui-là, il venait pas. Voilà. Alors là, on a été scotché, hein. Printanier, hivernal, estival. Estival. Le bon mot au bon moment, c'est ça la ce louche. Jeu, hein. Bon. Il faut trouver le bon. Alors, on peut se dire, mais comment il ne le trouve pas? Bah, c'est pas si facile. Quelquefois, on a. Ça n'arrive pas. On sait, mais ça ne sort pas. C'est arrivé maintenant, malheureusement, vous aviez remis en jeu vos 1000 euros. Et donc, on aura eu le plaisir de vous connaître et on vous applaudit. Merci. Je suis désolé. Vraiment, il est pas venu. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous et tenter de remporter justement 2500 euros. Il vous suffit de trouver le bon mot. Les indices sont danse, Vienne et Strauss. Alors, d'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce 1, valse ou 2, techno? Je vous répète les indices. Danse, Vienne, Strauss. Envoyez votre réponse en O2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Un tirage au sort, bien sûr, sera effectué parmi les bonnes réponses. Merci pour votre sympathie, José. Merci. On va retrouver Garnier et Santou dans quelques secondes, là. Le temps de faire boum, 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 avec deux nouveaux candidats. Voici la deuxième partie de mot de passe. Toujours avec Garnier, toujours avec Santou. Voici Kadiata et Jean-Claude.
Jean-Claude, vous êtes, vous, de Loire-Atlantique? Oui. Dans un village? Non. Non, c'est une banlieue de Nantes qui s'appelle Saint-Sébastien-sur-Loire. Ah oui, bah oui, c'est pas très loin de Nantes, ça, effectivement. C'est long de la Loire. Et alors, du côté de Cadiatas, c'est les Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence. C'est ça. Voilà, vous y faites quoi là-bas, à Saint-Rémy? Infirmière, en psychiatrie. Infirmière, en psychiatrie. À propos, paraît-il que vous slamez, vous? Oui, ça m'arrive. Vous nous ferez tout à l'heure un petit peu de slam? D'accord. Hein? Voilà, allez. Parce que c'est... Si on a le temps, hein, mais j'espère qu'on aura le temps. Sans souci. En tout cas, on le prendra. Mesdames et messieurs, si vous venez d'arriver, vous êtes sur France 2, c'est la bonne chaîne, c'est Mot de passe, c'est le bon jeu, c'est notre ami Garnier, notre ami Santou. On remet en jeu 50 000 euros. Voilà. Donc, mon cher Garnier, on ne parlera plus jamais de la période estivale. Non, j'ai oublié. Et on va jouer tout de suite avec Cadiatas. C'est parti, donc 30 secondes, un point par mot. Divorce. Mariage. Courgette. Concombre. Violet. Navet. Gros. Aubergine. Tennis. Raquette. Eva. Non, je passe, pardon. Ramasser. Jeter. Blé. Cueillir. Ah ouais. Ça fait 2 points sur 5. Avec mariage et aubergine. Non, non. On saura maintenant que tu penses que Eva Longoria est une joueuse de tennis à période estivale. Voilà. C'est une actrice, c'est ça. J'allais le dire en plus. Oui, c'est l'ex, enfin Eva Longoria désespérée. Ah, mais c'est ça, je comprends. Il n'y avait pas une joueuse de tennis. Elle sort avec un basketteur. Enfin, elle sortait. Elle sortait. Oh là là. Elle sortait. Enfin, on dit rien parce qu'il est grand. La vie d'Eva Longoria. Le pire, c'est que moi, j'avais trouvé Longoria quand il a fait tennis et Eva. Alors, soit on est trop un duo tellement c'est pas possible. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Ça fait donc 2 points, mais c'est pas mal quand même. On n'est qu'au début des qualifications. Jean-Claude, vous allez recevoir les mots à 10 de Santou. C'est parti pour 30 autres secondes. Muscles. Biceps. Ventre. Abdominaux. Maladie. Pathologie. Hauteur. Nanisme. Passe. Tennis. Raquette. Coupe. Dévis. Cheminée. Âtre. Nettoyeur. Ramoneur. Indiana Jones. Aventurier. Je ne veux aucun commentaire. Je ne dirai rien, C'était fouetté pour Indiana Jones. Voilà. Oui. Je ne fais pas de cinéma, tout va bien. Ok, ça fait 3 points pour l'instant. Cadiatta. Oui, vertige, la maladie. La maladie d'auteur, oui. Maladie d'auteur, voilà. J'ai répondu nanisme. Ah, d'accord, oui, il pensait à nanisme en me regardant. Ça aurait été Garnier, il aurait trouvé vertige. Cadiatta, à vous de jouer maintenant et de faire donc deviner à Garnier un maximum de 5 mots en 30 secondes. Et vous le savez, d'ailleurs, vous comprenez bien la règle du jeu. Quand ça ne vous inspire pas, passez, le mot revient dans le laps de temps des 30 secondes. Allez, bonne chance. Okay. Rocher. Caillou. Eau. Galet. Titanic. Iceberg. Passe. Islam. Coran. Consonne. Voyelle. Chic. Choc. Ça fait 3 points supplémentaires avec Iceberg, Coran et Voyelle. Ça fait 5 au total, vous n'avez pas joué Rénovation. On joue maintenant avec Jean-Claude. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Jean-Claude? Je suis chef de projet informatique. Ah, excusez-moi. Non, bah, à vous, chef. Allons-y, 30 secondes. Avance. Recule. Temporel. Je passe. Je passe. Code.
Message. Non, je passe. Pessimiste. Optimiste. Oui. Veine. Artère. Oui. Avance. Après. C'était retard. Ouais. Retard. Ouais. Et retard n'est pas arrivé à l'heure. Ça fait 5 points à 5. Ce qui veut dire que c'est plutôt pas mal confort, hein, d'accord. C'est pas énorme, mais c'est confort. Allez, changement de partenaire. Garnier joue avec Jean-Claude et Santou joue avec Kadiata. Puisque vous vous connaissez très très bien, hein. Alors, puisque c'est un jeu de mots, vous avez préparé un petit slam pour l'émission, c'est vrai? Allez, c'est parti. Je balance le son pour mot de passe session. Je balance les pros pour... le public. Causons sur ce jeu à travers une pause. Posée entre nous, on va s'amuser sans hic. Du casting à la finale, c'est génial, c'est jovial. Bravo. Génial. Pas mal, hein? Ouais. En impro, là, hein? Alors, vous avez, vous avez 27 points de bonus. Allez, on joue tout de suite. C'est Santou, ma chère Kadiata, qui vous fait deviner les mots. 30 secondes, c'est parti, allez. Un point par mot. Je crois que c'est ça. Galette. Dessert. Mexicaine. Faritas. Donc c'était pas ça. Passe. Lopez. Jennifer. Je passe. Bourré. Soul. Alternatif. Impératif. Électricité. Onde. Passe. Non, c'est là. Tortilla. Ah oui, oui. Ça marchait. C'est espagnol. C'est espagnol. C'est l'omelette espagnole, hein. Ah ben oui, c'est tortilla. Ouais. C'est bon d'ailleurs. C'est vrai. Voilà. Ah oui, c'est bon, oui, ça. C'est... Mais ça peut être aussi, je crois, une galette mexicaine de maïs. 2 points, ça fait 7. Et c'est Garnier qui joue avec Jean-Claude, qui pour l'instant a 5 points, mais une manche de retard. On y va. Fromage. Camembert. Dieu. Caprice. Île. Habitant. Autre mot. Bien sûr. Tintin. Milou. Auteur. Hergé. Commencer. Finir. Autre. Achevé. Débuté. Il attendait terminé. Terminé, oui. Ah oui. 2 points supplémentaires avec Caprice et Hergé. On a bipé insulaire parce qu'il est insulaire, ça fait partie de la même famille. Donc 7 à 7. Mmh. Attention, dernière manche. C'est maintenant qu'il faut vous distinguer. Et c'est Kadiata qui commence avec 30 secondes. Bonne chance. Amuser. Rigoler. Rencontre. Draguer. Autre. Séduire. Passe. Ogre. Enfant. Passe. Pensée. Idée. Quatrièmement. Cinquièmement. Malaxé. Paître. C'était pas mal essayé, ouais. Hein. Franchement, Shrek, c'était pétrir. Alors, pétrir, ouais. Paître, c'est autre chose. Pétrir. Mais alors, idée, cinquièmement, c'est bien, ça fait 2 points supplémentaires. Le premier, c'était le premier rencontre, amuser, draguer. Amourette. Flirt. Ça fait 9 points. Attention, il faut marquer 2 points, on est d'accord, Jean-Claude? Au moins, oui. Au moins 2, mmh. Mais 2, ça serait déjà pas mal. Absolument. Et 3, formidable. Mieux. On y va? Allez, Jean-Claude. Revue,
Visionné. Militaire. Défilé. Oui. Je passe. Vieux. Jeune. Vieux. Grand-père. Ancien. Passe. Positif. Négatif. Oui. Défilé négatif, ça fait 2 points. Ça fait quoi de 9? Eh bien, vous avez 9 tous les deux, donc égalité. Impression. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Je vous explique. Avant l'émission, il y a eu un tirage au sort. C'est Kadiata qui a gagné ce tirage au sort. Il y a un seul mot à trouver pour les deux équipes. Et c'est l'équipe qui va trouver ce mot en premier qui partira en finale. Vous allez avoir 10 secondes pour donner un mot indice et sans tout 10 secondes pour donner ce qu'il croit être le mot de passe. Si ça ne marche pas, Jean-Claude aura 10 secondes pour donner un mot indice, toujours sur le même mot à trouver, hein, et Garnier 10 secondes pour donner ce qu'il croit être le mot de passe. Si ça ne marche pas, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on trouvera le fameux mot de passe. Et l'équipe qui l'aura trouvé partira en finale. Alors, Kadiata, vous avez donc gagné le tirage au sort. Vous pouvez soit prendre la main tout de suite, ou soit, stratégie ou pas, laisser la main à Jean-Claude. On est d'accord? Vous prenez la main, vous laissez la main? Je prends. Vous prenez la main. C'est parti, voici le jeu décisif. Femme. Homme. Jean-Claude. Supermarché. Caissière. Oui. Bravo! Incroyable! Mais ça se passe comme ça dans ce jeu décisif. Désolé. Belle remontée donc de Garnier avec cette caissière du supermarché. Bonne indication de Jean-Claude. Oui. Femme. Mais j'ai été aidé quand même. Ah oui, bah évidemment. Ouais. C'est pour ça que quelquefois il vaut mieux laisser la main. Enfin, vous avez choisi le contraire, une autre stratégie. Kenyatta, en tout cas, merci pour votre slam. Merci aussi pour la profession que vous exercez, car c'est vraiment très indispensable. À bientôt. Merci. À Saint-Rémy-de-Provence. Vous aussi, vous pouvez donc jouer et tenter de remporter les 2500 euros. Il vous suffit de trouver le bon mot. Voici les indices. Danse, Vienne et Strauss. Alors, d'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce un valse? Ou alors techno. Hop, envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS, super, au 7-10-20, au téléphone au 32-43. Il ne vous reste plus que quelques minutes. Voici la finale, 50 000 euros avec Jean-Claude et Garnier. Mesdames et messieurs, venez, venez, venez à la finale, allez. Il est sympa notre candidat Jean-Claude. Avec Garnier, donc voici la deuxième finale. Tout à l'heure avec José, ça n'a pas beaucoup, beaucoup marché. On oublie ça. Chaque finale est indépendante et unique et particulière. On regarde la pyramide des gains avec 1000 euros. Ça, c'est à vous. Si vous faites deviner, à Garnier, 5 mots sur 9. 2500 euros, c'est 5 mots sur 8. Et vous le savez, mon cher Jean-Claude, vous qui êtes un fidèle de l'émission, 2500 euros, si vous atteignez ce palier, cette somme est la vôtre. 5 000 euros, c'est 5 mots sur 7. 10 000 euros, c'est 5 mots sur 6. Et évidemment, pour gagner le gros lot, pour empocher les 50 000 euros, c'est 5 mots sur... 5. Pas plus de 3 indices, 1 minute 30. Et si vous choisissez, Jean-Claude, puisque c'est toujours vous qui faites deviner, bien sûr, de passer à un mot, le mot ne revient pas. C'est vous qui menez la situation, c'est vous qui êtes le maître du jeu. À savoir, quand vous voyez que votre partenaire, éventuellement, n'y arrive pas, c'est vous qui pouvez dire « je passe ». Voilà, hein, c'est, vous tenez votre finale, j'allais dire votre destin des 50 000 euros, entre vos mains. Alors, je sais que vous êtes venu pour jouer, bien sûr, mais vous n'allez quand même pas refuser de gagner. Ah, tout à fait. Voilà. Si jamais ça marche, qu'est-ce que vous feriez des 50 000 euros? Par exemple, Je vous le répéterai pas, je suis pas loin de la retraite, ça me permettrait de finir plus tôt peut-être. Ah, pas mal. Allez savoir. Pas mal. Allez savoir. Bonne idée. Et de dire au patron, oh, dis donc demain, sans moi. Non, je lui dirai pas comme ça, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui permet de... Ouais.
Même 1000, 2500, 5000. On trouve toujours quelque chose voilà, à faire. On trouve toujours quelque chose à faire. Prêt ? Oui, tout à fait. Attention, 1000 euros, faites vos jeux, 5 mots sur 9. Avocat. Crevette. Ordre. Barreau. Oui. Ouvrir. Fermer. Oui. Pékin. Chine. Oui. Aigu. Grave. Oui. Ruche. Abeille. Oui. Pour l'instant, ça va. Bien. – 21 secondes, mais 5 mots. – Il m'a beaucoup aidé sur l'avocat. Ouais. – Oui, alors, oui, je me disais, comment il va faire avocat ? Comment il va faire barreau ? Est-ce qu'il va jouer l'avocat ? Est-ce qu'il va jouer la prison, les fenêtres ? – J'étais sur la chaise et le bâton, mais ça va pas. – C'est pour ça, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites. Prenez votre temps avant de jouer votre premier mot. Le chrono ne se met en marche qu'au moment où vous donnez votre premier mot à Alice. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de le construire, d'accord ? On joue 2500, je suppose. Oui, allez, oui, 2500. C'est 5 mots. Allez. Sur 8, il y a encore 3 erreurs possibles. Bonne chance. Série. Télé. Télévisée. Sitcom. Simple. On passe. Coussin. Oreiller. Oui. Nougat. Cacahuète. Ville. Montélimar. Oui. Perdre. Gagner. Oui. Volaille. Poulet. Grosse. Dinde. Oui. Longitude. Latitude. Oui. Merci. La série télévisée, c'était le feuilleton. Le feuilleton, voilà. Ouais, j'aurais dû dire ancien, peut-être, mais bon. Ouais, je crois que j'aurais pas trouvé. C'est pas grave, on a passé quand il fallait. 2500 euros. Parfait. Avec la possibilité d'utiliser le joker dès maintenant, mais une seule fois dans l'émission, joker qui vous montre les 5 premiers mots de la prochaine liste et ainsi d'avoir plus de temps pour les construire. Ces mots à 10 qui font venir les mots de passe, vous connaissez bien la règle. Est-ce que vous prenez le joker maintenant ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. 5000 euros sans joker. 5 mots sur 7, 2 erreurs ou 2 manquements possibles. Allez, bonne chance. Merci. Coutume. Usage. Ordinaire. Habitude. Oui. Bien. Zapette. Commande. Long. Télécommande. Oui. Poivre. Sel. Généralité. Condiment. Piment. Épice. Oui. Outil. Marteau. Picasso. Pinceau. Oui. Train. Wagon. Oui. Habitude, télécommande, épice, pinceau, wagon. Chaque mot valait 1000 euros, ça fait 5000 euros. Et vous mettez, ce qui est formidable d'ailleurs dans cette émission, en tant que candidat, notre personnalité à l'aise. Ouais. Et vous le réconfortez, ce qui est parfait. Et bonne ambiance. Je trouve que c'est une bonne ambiance. Merci. C'est fraternel et c'est sympa. Alors, 5000 euros, vous pouvez jouer pour 10 000, peut-être, je ne sais pas, avec le joker ou sans le joker. Alors, 10 000, Jean-Claude, c'est 5 mots sur 6. Oui. Une erreur possible, mais pas plus. Oui. Hein. Je vais jouer 10 000 et sans le joker. Voilà.
Je rappelle que si vous êtes amateur de théâtre, Garnier Santou étant dans le public pour suivre cette finale, sont au théâtre avec une pièce qui s'appelle La Valse des requins, mise en scène par Arthur, notre ami Arthur Vigneault, qui vient souvent ici. C'est pas plus compliqué à 10 000 qu'à 1000, croyez-moi. Il y a 5 mots à faire deviner sur 6. Prenez votre temps, construisez bien le premier mot, c'est bon pour le moral. Et ça pourrait, oui, ça devrait même marcher. Allez, on verra. Bonne chance. 5 mots sur 6. Couteau. Fourchette. Pliant. Opinel. Oui. Bateau. Navire. Régate. Voilier. Oui. Adamo. Franck. Adamo. Je sais pas. Si tu sais pas, je passe. Cuir. Peau. Barbecue. Viande. Cuir. Grillade. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Grillade. Ah, il commence Grillade. Par le verbe. Il veut le verbe. Ouais. Bien sûr. C'est pas grave. Il dit pas cuisson, il dit cuire. C'est donc il attend griller. Mais bien sûr que c'est pas grave, vous êtes un excellent joueur. Mais je pensais ah ouais. qu'on pouvait y arriver encore plus. Allez, là. Allez, pensez. Ah là 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 là. Hein? Salvatore. Salvatore. Adamo. C'est Salvatore et Adamo. Avec sans rancune. Oui, merci pour lui. Hein. C'est marrant parce qu'ils font le même métier. Oui. Vous faites le même métier. Dans ouais. Vous êtes dans l'informatique tous les deux. Oui, ouais, tout à fait. C'est très bien. Bâton. Qu'est-ce que vous diriez à celles et à ceux qui nous regardent et qui se disent, moi aussi un jour j'irai, mais j'ai peur, comment ça se passe ouais. Comment ça se passe? Très bien, on est bien reçus, on est bien accompagnés, on s'amuse beaucoup et on ne peut pas revenir, mais c'est dommage. Ah, un peu plus tard, il faut laisser de la place à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Garnier Santou, donc. Alors, c'est vrai que là, on a assisté à des moments incroyables dans l'émission, parce que à la fois, il y a eu des, hein, ouais. des trous noirs avec le mot estival, par exemple. Et puis, sinon, par exemple, Opinel, couteau pliant, c'était pas évident. Paf, Opinel, ça part. Ouais. Quelle est la leçon, la moralité de cette histoire dans cette émission? C'est que on ne sait jamais ce qui va se passer. Non, non, mais c'est horrible parce qu'on a des blackouts. Il y a des moments, le mot est sur le bout de la langue et il vient pas. C'est hyper stressant. C'est l'harmonie avec le candidat aussi, c'est que l'image que lui essaie de nous projeter est celle qu'on se ferait soi-même en fait. Sur cette finale, par exemple, il y a une excellente entente. Ouais. Être sur la même longueur d'onde. Ouais, donc après, il y a les problèmes de culture. T'es débile. Hein, qu'est-ce que... Bon, alors, la valse des requins. On ne parle pas de ça. Mise en scène par Arthur Vigneault. Vous pouvez les voir tous les deux, Garnier Santou. Merci beaucoup. Votre nom s'affiche. Ça veut dire que vous avez gagné 2500 euros. Bravo. Et si vous voulez participer à l'émission, Jean-Claude vous l'a dit, venez, France2.fr. Merci à José. Passez une excellente soirée sur France 2. Dès maintenant, réagissez sur le forum sur France2.fr.